18 au 28 janvier, Bécomo a vibré au rythme de Cinoche, la 30e édition. Et via cette émission spéciale, Nous TV essaie de vous en faire revivre un tout petit peu. On commence tout de suite avec une partie du comité organisateur. Bon Cinoche, mesdames et messieurs, on va revenir un petit peu en arrière d'abord, parce que 30 ans, ça se souligne, on l'a souligné en grand cette année. Mais André, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes sur le comité organisateur, depuis l'an 2, avec une petite pause, je crois, à un moment donné, et retour dans le comité il y a quelques années. En 30 ans de Cinoche, comment avez-vous vu évoluer ce festival? Monsieur Guy, qui était le propriétaire des salles de cinéma, il s'est aperçu qu'il y avait une diminution terrible des fréquentations dans la salle de cinéma. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour redonner le goût du cinéma aux gens? Donc, il a été voir les personnes les plus influentes ou les plus... Oui, du moment, ben, Denise Arsenault, Alain Bourassa, bref, il a été à la ville. Il leur a dit, ben écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Puis là, ils ont dit, ben on va faire un festival. Comme ça. Puis en l'espace de 15 jours, en tout cas en l'espace de rien du tout, ils ont fait un festival qui, la première fois, je pense, c'était 4 ou 5 jours. Ça a très bien marché, le public a... Donc l'année d'après, ça a été un peu plus long. Puis l'année d'après, c'était un petit peu plus long. Puis bref, on est arrivé à un festival qu'on a maintenant de 10 jours. Est-ce qu'on a vu aussi une évolution au niveau des cinéphiles dans la salle au fil des ans? Moi, ce que j'ai vu personnellement, quand j'ai commencé Cinoche, j'étais relativement jeune. C'était les baby-boomers, en fin de compte, qui étaient dans les salles. Et on a continué avec eux tout le temps. Et maintenant, ben, maintenant, ce sont les jeunes qui prennent la relève, qui reviennent voir les films, qui reviennent dans les salles de cinéma. Donc, depuis 30 ans, on a vraiment positionné le cinéma et le festival comme un événement phare à Bécomo. Et l'un des événements phares aussi à l'intérieur du festival, c'est Images de glace. Et Alain Bérubé, c'est du travail colossal que vous effectuez avec votre équipe. Et, ça fait 9 ans que vous êtes sur le comité avec Images de glace. Comment a commencé Images de glace? Au départ, ça ressemblait à quoi? Bien, Images de glace, au début, c'était un écran avec un cube de neige de 10 pieds par 10 pieds. Puis il y avait une présentation d'un film sur l'écran. Puis il y avait des sculpteurs qui concoctaient là, une sculpture par rapport au film. Puis quand moi je suis arrivé, c'était difficile de faire un film à l'extérieur parce que c'était froid il y a des années. La température, on ne peut pas jouer là-dessus. Il y a des années, il fait moins 2, il y a des années, il fait moins 30. Donc, nous, on a évolué dans le sens que on a fait des tests sur des murs qui pouvaient couper le courant, les courants d'air. On a fait des tests, moi, la première année, la deuxième année. On a mis un mur, deux murs. Ça a fini avec 3 murs. Et maintenant, je pense que c'est une réussite dans le sens que le vent, peu importe le vent, il vient dans quelle direction, on a 3 murs et l'écran. Donc, l'évolution d'image de glace vient du fait qu'on a travaillé sur un endroit idéal pour accueillir la famille. Les plus petits, parce que présentement, on voit des gens venir à Images de glace avec les poussettes. Les enfants, ils dorment dans la poussette, donc ça prend... Bien, effectivement, c'est un événement familial incontournable et vous avez développé une recette qui fait en sorte qu'on a beaucoup de plaisir et de confort avec Images de glace à chaque année. Merci beaucoup de votre implication. Et je me tourne vers Marie-Hélène Baudry, qui est la directrice du festival. 30 ans, ça se fête, on le souligne avec une nouveauté, entre autres le bal de neige cette année. Mais j'aimerais savoir, bon, 30 ans, c'est beau, mais il y a encore un futur prometteur pour le cinéma et le festival à Bécomo. Comment est-ce qu'on entrevoit le futur pour Cinoche? Bien, on le voit avec positivisme, en fait. Je suis à la barre de Cinoche depuis 4 ans et d'année en année, la passion de un, premièrement, des bénévoles du comité organisateur, c'est le noyau fort de Cinoche. Et si le comité continue à être aussi passionné, Cinoche est encore là pour 30 belles autres années. On entrevoit l'avenir avec positivisme, avec certains défis aussi, on ne se le cachera pas. La Côte-Nord fait partie des régions où il y a l'exode, beaucoup des retraités, des jeunes étudiants qui partent à l'extérieur. Mais on a ce défi-là d'aller chercher les jeunes qui consomment le cinéma autrement, donc de créer des activités parallèles, dont le bal de neige, pour montrer que sinon je suis ouvert à tous, que c'est festif, que c'est pas juste des films, qu'il y a aussi des activités parallèles à ça.
Et tranquillement, les années dans nos salles de cinéma pour que Cinoche perdure. Mais on le voit avec positivisme parce que, je veux dire, le cinéma, c'est universel. On présente des films de partout à travers le monde et, je veux dire, on ne peut pas être contre l'humain. Et à quelque part, un festival comme Cinoche n'est pas un ingrédient qu'il faut conserver, justement, pour la rétention des gens en région? Exactement. Ça fait partie, je pense, de la qualité de vie, en fait, du milieu de vie communautaire qu'on crée. Et d'avoir un festival comme Cinoche et bien d'autres événements, ça permet justement un engouement, un intérêt culturel, puis ça permet une vitalité communautaire, municipale grandiose. Merci beaucoup, messieurs, dames, pour votre implication. Merci pour ce Cinoche 30e anniversaire. On se reparle l'an prochain pour le 31e, peut-être. On vous souhaite évidemment un bel hiver d'ici là et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Martin Laroche, merci d'avoir accepté cette présidence d'honneur de cette 30e édition de Cinoche ici à Baie-Comeau. Bienvenue. Avant de parler de la présidence d'honneur, parlons un petit peu du film Tadoussac qui a été à l'affiche à ce festival. Un film qui a été tourné évidemment à Tadoussac. Très peu de moyens, 17 jours seulement de tournage. Parlez-nous un petit peu de cette expérience de tournage à Tadoussac pour le film. Oui, bien, comme vous dites, c'était un tournage qu'on a fait avec une mini-équipe. Toutes les gens étaient payés à la moitié de leur salaire. On a tourné en 3 semaines. Et puis, mais moi, je voulais aller tourner à Tadoussac parce que je connaissais le village. Je suis déjà allé, j'ai passé 3 étés là-bas, j'ai passé un hiver aussi. Et je savais qu'en arrivant là-bas, malgré toutes les contraintes financières qu'on avait, le village allait embarquer avec nous autres, puis on allait faire en sorte que le film se fasse comme il faut. Et naturellement, c'est ça qui s'est passé. On a tourné 8 jours à l'auberge de jeunesse là-bas. Les gens ont été hyper généreux avec nous. Ils nous ont permis de tourner. Ça ne nous a rien coûté. L'équipe aussi, quand tu tournes un film, tu transportes une équipe dans un petit village, les liens se soudent rapidement. Les gens, en plus, l'hiver, ils font moins de choses que pendant l'été à Tadoussac. Donc, ils veulent t'aider. Ça crée une ambiance qui est vraiment tripante pour faire un film. T'sais. La réponse a été bonne parce que j'ai vu passer dans les médias à l'époque, en 2016, un genre d'appel à tous que vous aviez besoin de gens pour vous aider dans ce projet-là. L'appel, la réponse a été bonne? La réponse a été bonne. Avec nous, on avait 3 personnes de Tadoussac qui travaillaient sur le film, qui étaient des employés du film, qu'on a engagés. Puis eux aussi, c'était 3 filles. Elles nous ont permis d'aller chercher les gens, d'intégrer. Mais juste en faisant l'appel à tous sur Facebook et sur les réseaux sociaux, on se retrouvait avec des scènes où on avait besoin de 30 figurants dans un bar, puis on en avait 40. C'était génial parce que le monde participait, le monde embarquait dans le projet, puis il y avait le goût de faire en sorte que le film soit bon. Et Isabelle Blais aussi, qui est dans la distribution, est une habituée de Tadoussac parce qu'elle aussi, elle est musicienne, donc elle a participé au festival pendant plusieurs éditions. Donc, est-ce que ça a facilité un peu le travail avec cette comédienne-là, qu'elle connaissait déjà un petit peu l'environnement? Oui, mais Isabelle, c'est une tripeuse, c'est-à-dire que, tu sais, elle fait de la musique, elle fait du jeu et elle veut pas juste faire des productions, des grosses productions avec un salaire fixe où elle sait vraiment dans quoi elle va s'embarquer. Quand elle s'est embarquée dans Tadoussac, une comédienne de sa trempe, tu sais, quand même, avec un réalisateur comme moi qui avait pas fait tant de choses, avec une équipe qui était jeune et tout, tu sais, elle s'est posé la question puis elle me l'a avoué après le film. Elle s'est demandé, genre, est-ce que je m'en vais dans un projet où ce serait pas très professionnel puis, tu sais, ça risque de pas être très bon. Mais, tu sais, elle a quand même eu le culot et l'envie de dire, le scénario me plaît, on y va, on fait le film. Puis, c'est ça qui a fait... Moi, je la remercie énormément parce qu'elle donne une performance incroyable dans le film. Puis, elle a réussi aussi à, comme, tout rallier l'équipe et faire en sorte qu'on fasse le meilleur film possible. Et le film a été très bien reçu dans tous les festivals où il est passé. Et je pense qu'à Baie-Comeau aussi, ça ne fait pas exception parce qu'on a un petit sentiment d'appartenance aussi avec ce film-là, un petit lien, affectif avec la région de Tadoussac. Maintenant, parlons de cette présidence d'honneur. Vous avez dit lors de votre discours à l'ouverture du festival que ça vous a surpris d'avoir été approché pour être président d'honneur. Pourquoi donc? Bien,
Moi, on dirait que dans ma tête, le président d'honneur, c'est tout le temps une personne qui a une grosse carrière. T'sais, on donnerait plus ça au Québec à Denis Arcand ou Bernard Raymond, justement des cinéastes qui en ont fait, qui ont fait leurs preuves, qui ont fait des grands films. T'sais. Moi, je commence ma carrière. Je suis à mon deuxième film fait dans un contexte professionnel. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand on m'a contacté, je pensais vraiment qu'on contactait l'acteur parce qu'il est plus connu que moi puis qu'on demandait à l'acteur d'être président d'honneur. Mais finalement, quand on m'a expliqué que c'était aussi parce que Cinoche est un festival qui encourage des nouveaux horizons, des nouveaux visages, qui essaient de faire en sorte que le cinéma se démarque et se fasse connaître. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, puis qui me parle, puis que je veux défendre. Donc, j'étais honoré d'être président d'honneur. Qu'est-ce que vous remarquez lorsque vous vous promenez de festival en festival? Il y a des festivals qui sont plus gros que les autres, mais un festival régional comme celui qu'on a ici à Cinoche, qu'est-ce que vous remarquez chez les cinéphiles qui est différent peut-être des amateurs de cinéma des grandes régions, par exemple? Bien, moi, ce que j'aime quand un festival est dans une plus petite ville, justement, c'est l'espèce d'engouement que ça crée. Tu sais. J'aime beaucoup plus les festivals à l'extérieur de Montréal ou à l'extérieur de Québec que les festivals. Tu sais, comme moi, j'adore le festival à Rouyn-Noranda, le festival de regard sur le court-métrage à Saguenay ou le festival Cinoche, parce que c'est des festivals. À Montréal, les films sont un peu dilués, il y a des clics qui se créent un peu. Ici, on est là pour le cinéma. C'est des gens passionnés. Le festival, quand il arrive, les gens ont hâte de le voir. Arriver, ils vont voir les films. C'est ça le cinéma ultimement. Là, c'est pas une affaire de clics, c'est pas une affaire de genre quel film va être projeté à telle heure plutôt que telle autre. C'est une affaire de gens qui veulent voir les films. Puis quand le public est au rendez-vous, et il l'est souvent, c'est dans ces festivals-là que les salles vont être les plus pleines. Ben, pour moi, c'est leur mission est accomplie et est même plus importante que les plus gros festivals. Là. Et à quelque part, ça donne aussi un second souffle aux films qui souvent, ça fait peut-être un an qu'ils sont déjà sortis en salle, puis qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir une vitrine partout au Québec, par exemple. Donc, ça donne peut-être un deuxième souffle aux œuvres. Exact. Bien, moi, comme je disais, il n'y a rien de plus frustrant pour un cinéaste que de se faire dire, genre, « Hey, j'ai le goût de voir ton film, mais je ne peux pas le voir parce qu'il ne passe pas, genre, à 100 km autour de chez nous. » Tu sais. Et moi, c'est frustrant pour un cinéaste parce que tu te dis, « Merde, j'ai fait un film pour que les gens le voient. Il y a des gens qui ont le goût de le voir, puis ils ne peuvent pas le voir. » Donc, le fait qu'il existe des festivals qui puissent passer les films, même après la carrière en salle, bien, c'est hyper important. Là. Ça fait en sorte que c'est pour ça qu'on fait des films. Là. Merci beaucoup pour votre présence et bon séjour à Baie-Comeau et peut-être à une prochaine édition de Cinoche. Bien sûr. Moi, j'adore le cinéma depuis longtemps. J'ai toujours été au cinéma. Moi, je considère que c'est un gros plus pour cette île d'avoir ce festival-ci. Puis je suis toujours contente, depuis que je vis à cette île, de participer au festival. J'achète un carnet, des fois deux carnets. Je vois beaucoup de films. C'est aussi une rencontre avec des amis, puis on discute les films ensemble. Bien, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'y participer avant. Ça va être ma première année. Donc, l'année prochaine, probablement, je pourrais te donner plus de compte rendu. À quoi tu t'attends? J'ai aucune idée. Honnêtement, là, je rentre vraiment... Là, on me dit qu'on vient ici pour se détendre. On oublie. Je vais essayer ça, puis je vais voir si ça fonctionne. Ça représente une grande aventure cinématographique à la découverte du monde. T'as toujours été passionné par le cinéma? Toujours. Toujours. Entre autres, les films québécois. C'est ce qui t'a amené à faire partie du jury? Entre autres. Puis je vais vous dire aussi, c'est le thème. La thématique, là, ça m'intéressait énormément. Là, tout ce qui touche au niveau du monde, puis qu'on va découvrir tout le monde ensemble. Bien, ça représente la richesse pour notre région, parce que c'est la seule façon d'aller voir les films qu'on pourra voir dans les horaires normales à cause des assistances ou les... L'affluence, quand il n'y a pas d'affluence, on ne les a pas, les films. Avec les festivals, ça nous permet
de se permettre de se choyer, de se gâter, oui. Bien, c'est un festival qui nous permet de connaître, pour moi, moi personnellement, ça me sort de ma zone de confort. Parce que j'apprends à aller écouter d'autres films autres que ce que je ferais à la maison. Plus comme des films d'auteur. Bien, bonjour, Philippe Falardeau. Bonjour, ça va bien? Bien oui, je vous dis re-bienvenue à cette île. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi aux gens. Vous êtes ici à l'ouverture du festival pour présenter votre deuxième film américain. Comment les portes du cinéma américain se sont ouvertes à Philippe Falardeau? C'est ironiquement un film assez modeste, M. Lazare. Un film que je croyais qu'il jouerait trois semaines dans une petite salle à Montréal qui a un peu explosé autour de la planète. Et c'est ça qui m'a permis de rencontrer des gens aux États-Unis qui avaient vu M. Lazare. Et depuis lors, je lis des scénarios, en fait, en provenance des États-Unis. Et j'ai fait deux films américains. Et une des raisons pour laquelle j'ai cette carrière-là, c'est que moi, comme scénariste, je suis très lent. Okay. Ça me prend 2 à 3 ans à écrire un scénario. Donc, rendu où je suis dans ma vie, je ne vais pas aller faire un film une fois tous les 4 ans. Et donc, de pouvoir faire des films aux États-Unis une fois de temps en temps, ça me permet de continuer de pratiquer ma profession plus régulièrement. C'est sûr qu'il est un film américain, mais réalisé tout de même avec un budget assez minime, si on compare à d'autres films américains. Oui. Il y a eu beaucoup de défis par rapport au financement. Entre autres, on parlait avant des matchs de boxe qui ont été tournés en Bulgarie. Oui, les gens qui finançaient le film possèdent encore un studio en Bulgarie, un vieux studio soviétique mal chauffé. Et ils préféraient que j'aille tourner là-bas parce que ça leur coûterait moins cher de production et aussi parce que les figurants coûtent moins cher là-bas avec le taux de change et tout. Donc, le film a été tourné à New York. Le match de boxe dans l'histoire se passe à Cleveland, mais il a été tourné pour des raisons financières en Bulgarie. La boxe est loin d'être l'élément central du film. C'est l'histoire de Chuck Wepner, un boxeur assez, somme toute, moyen, mais qui a son moment de gloire lors de ce combat avec Mohamed Ali. Mohamed Ali, après son combat épique au Congo, cherchait un combat, je dirais, politique. Et il voulait se battre contre un blanc, mais à l'époque, dans le top 10, il n'y avait qu'un blanc, c'était Chuck Wepner, qui était un boxeur effectivement moyen. Sa principale qualité, c'était de rester debout. Sa principale défaut, c'est qu'il saignait souvent, il y avait souvent des coupures. Et d'ailleurs, il a perdu la plupart de ses combats, pas parce qu'il tombait au tapis, parce que l'arbitre arrêtait les combats parce qu'il saignait trop. Et donc, Mohamed Ali a offert un combat à Chuck Wepner, et ça a été, pour Chuck, un boxeur du New Jersey, une fenêtre extraordinaire. Il est devenu un héros chez lui. Mais 2 ans plus tard, un film est sorti qui s'appelle Rocky et dont le scénariste, qui est aussi le comédien Sylvester Stallone, il s'est inspiré en fait du combat entre Chuck Wepner et Mohamed Ali pour écrire ce scénario-là. Et donc Chuck Wepner, quand il s'est vu au grand écran ou quand il s'est imaginé que Rocky était lui, il s'est mis à vouloir plus d'affection du monde. Et donc, c'est un film sur ce phénomène-là, c'est-à-dire vouloir être aimé de tout le monde. Qu'est-ce qui arrive quand un gars un peu ordinaire devient une super vedette du jour au lendemain? Et je trouvais qu'à l'époque des réseaux sociaux, aujourd'hui, où tout le monde essaie d'avoir sa fenêtre de célébrité, que ce soit sur Facebook ou Instagram, ben Chuck était un peu ce prototype-là qui recherchait l'amour du regard des étrangers au lieu des gens autour de lui. Et donc, c'est beaucoup plus un film là-dessus que sur la boxe. Et je trouvais que c'était fascinant d'explorer un personnage qui a plein de défauts, qui fait plein d'erreurs, mais à qui on pardonne toujours. Et c'est un peu cette histoire-là que je raconte dans Chuck. Cet été, j'ai eu la chance de te croiser avec ta conjointe et votre magnifique petite fille. Vous étiez, entre autres, au Festival Inunikamu. Et tu me dis avoir eu un choc au festival, en quelque sorte. Et tu t'attendais peut-être pas à cette ampleur-là de festival? Ou... Bien, mon choc n'était pas tant que tout d'un coup, je me retrouvais devant une production de qualité, des artistes de qualité. C'était de ne pas le connaître, ce festival-là, parce qu'à Montréal, on est très centré sur nous-mêmes et on entend très peu parler du reste du Québec. Et c'est par notre faute, parce que les médias sont concentrés sur ce qui se passe à Montréal. Et je me retrouvais devant un festival de qualité qui a 30 ans et plus d'existence. Et je me disais, mais comment ça fait que je ne le connais pas, ce festival-là? On a beaucoup trippé. Depuis que j'ai participé, je recommande à tout le monde, si vous avez une fenêtre au mois d'août, en été, venez à cette île, venez voir ce festival-là.
et aussi toute la relation d'amitié avec, avec les Inuits à Maniutenam. On s'est lié d'amitié avec, avec les Volants, avec Réginald Volant, qui a aidé ma blonde aussi à mettre sur pied la production pour Kwessipan. Parlons-en justement de Kwessipan. Comme si le réalisateur Antoine n'était pas à s'occuper, tu avais quand même une certaine période d'accalmie. C'était aussi le désir d'être avec ta petite fille, oui, de profiter au maximum des moments. Mais troisième réalisateur, troisième assistant réalisateur pour Kwessipan, c'était ton rôle. Alors, pour situer les gens, troisième assistant réalisateur, c'est la personne qui s'occupe de la figuration. Les figurants, là, c'est ceux qu'on voit marcher en arrière, l'autre bord de la rue. Là. Ça prend du monde là, pour jouer ces rôles-là. Donc, souvent, dans une journée, on va avoir une vingtaine de figurants, mais il faut les amener dans une salle, il faut leur donner le café, s'assurer qu'ils sont au chaud et tout ça, puis les amener sur le plateau quand c'est le temps, puis de leur dire, bon, ben là, pendant la prise, tu vas aller de là à là, puis là, tu vas... mettre en scène les figurants. J'ai offert mes services comme ça parce que, à bien y penser, sur un plateau, moi, je suis pas directeur photo, je suis pas comédien, je suis pas électricien. Si c'est pas mon plateau, qu'est-ce que je peux faire sinon troisième assistant à la réalisation? Donc, je me suis prêté à ce rôle-là avec beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai appris. Ça a été mon coup de pouce à la production de ma blonde et de Myriam Véraud pour son film. Vous allez revenir tous ensemble en mai pour un deuxième et dernier bloc de tournage, cette fois-ci un peu plus court. Disons-le, c'est rare qu'on présente une vision aussi intime de la réalité autochtone, d'une communauté. Bien ça, c'est tout en l'honneur de Myriam Véraud, qui s'est immersée pendant de longs mois ici, est venue souvent à cette île. Évidemment, c'était après avoir lu Kwessipan, le livre de Naomi Fontaine. Elle s'est liée d'amitié avec beaucoup de gens dans les deux communautés de Ouachat Maliotenam. Et moi, quand je suis venu pour la première fois, j'ai tout de suite compris son intérêt, sa fascination et son amour aussi pour ces gens-là. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'elle a embauché des comédiens exclusivement d'ici. Il y a deux ou trois comédiens professionnels dans tout le lot, mais sinon, ce ne sont que des gens d'ici. Et ça, c'est formidable. Très heureux d'avoir quelqu'un, un représentant de la Wapikoni Mobile, surtout comme activité off-ciné 7. C'est quand même extraordinaire qu'on puisse vous avoir avec nous. C'est en quelque sorte une première. Oui, c'est la première fois, en fait, qu'on sort la programmation du lancement annuel à l'extérieur de Montréal puis de Québec. Généralement, ça reste dans les grands centres, mais là où on est encore de ce projet-là, on fait une tournée vraiment. Fait que ce soir, on est à Ouachat, puis demain soir, on va être à Baie-Comeau, à l'Ouvre-Boîte culturelle. On est habitué de recevoir des équipes de production de la Wapikoni Mobile ici dans la région, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'est la Wapikoni Mobile. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est votre rôle au sein des communautés autochtones? Oui, donc le Wapikoni Mobile, c'est un studio de production audiovisuelle. Donc, on crée des courts-métrages avec les jeunes autochtones. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager des équipes de cinéastes et d'intervenants qui vont aller dans les communautés puis qui vont travailler pendant un mois à créer un court-métrage avec les jeunes, que les jeunes s'approprient vraiment. Donc, c'est eux qui sont réalisateurs, c'est eux qui sont cinéastes. C'est un très bel exercice d'intervention auprès de ces jeunes-là, puis ça leur permet d'exercer leur talent créatif aussi. Je sais que vous mettez souvent l'emphase, puis on l'a déjà mis, sur le fait que s'accrocher à une passion, c'est souvent ce qui évite autant le décrochage scolaire, des problématiques de drogue ou de dépendance quelconque. Fait que c'est un peu votre cheval de bataille de dire on vient donner une fierté à ces jeunes-là en leur démontrant qu'ils sont capables de faire de quoi. C'est ça, c'est exactement ça, c'est de leur donner un projet finalement, quelque chose qui est capable de leur procurer un sentiment de fierté. Fait que c'est que ces jeunes-là, puis des fois il y a des moins jeunes aussi qui réalisent des films, que ces gens-là arrivent à réaliser un projet comme ça de court-métrage qui est professionnel, puis après ça qui va passer dans les festivals, c'est un sentiment d'accomplissement qui est très fort, puis ça a un effet poignant sur ces personnes-là. Donc vraiment, c'est la manière qui nous permet de faire une différence auprès des communautés autochtones. J'ai l'impression, puis on est beaucoup à dire, que la Wapikoni Mobile est un peu ce qui est porteur de la voix autochtone. J'ai l'impression qu'on l'entendait plus ou moins jusqu'à tout récemment et que c'est un peu la Wapikoni qui a été en quelque sorte un précurseur. Est-ce que je me trompe?
C'est vrai que dernièrement, on entend beaucoup plus parler dans les médias du fait autochtone. Puis le Wapikoni, on peut dire porter la voix, mais en fait, ce qu'on essaie surtout de faire, c'est de créer des ponts entre les cultures. Donc, ce que les représentants des communautés autochtones eux-mêmes puissent porter le message qu'ils veulent porter. Le Wapikoni, ce qu'on fait, c'est de donner les outils à ces personnes-là pour porter le message. Donc oui, ça fait déjà 14 ans que le Wapikoni est actif auprès des communautés autochtones, mais c'est vraiment les jeunes eux-mêmes, puis les réalisateurs, les cinéastes eux-mêmes qui réussissent à porter leur message à travers leurs films. C'est intéressant, ça peut porter sur n'importe quel sujet. Ça peut être des sujets très engagés, dans le même titre que ça peut être la vie personnelle d'un jeune ou d'un moins jeune. Oui, exact. Il y a une grande variété de films que les cinéastes vont réaliser. Ça peut être dans le documentaire, ça peut être dans l'expérimental, la fiction, ça peut être vidéoclip. Fait que c'est vraiment ce que le cinéaste veut exprimer, finalement. Puis souvent, ce format documentaire, ça leur permet de parler d'enjeux qui les touchent, de quelque chose qu'ils sentent le besoin de communiquer. Fait qu'il y a une grande ouverture. En fait, on laisse toute la latitude aux cinéastes pour arriver à créer ce qui, pour eux, a une signification. Vous avez un site Internet qui est assez complet et je pense que les gens peuvent, à cet endroit, si je me souviens bien, visionner plusieurs de ces courts-métrages. Oui, c'est exact. Alors, sur wapikoni.ca, en fait, on peut visionner presque l'entière, presque tous les films du catalogue du Wapikoni, puis on approche du 1000 films, fait qu'il y en a quand même plusieurs à visionner. C'est totalement gratuit de regarder ça en ligne. Puis sinon, sur la page Facebook du Wapikoni, il y a souvent des primeurs qui sont annoncées là-dessus. Donc, j'invite les gens à aller sur le Facebook du Wapikoni Mobile ou sur wapikoni.ca pour être capable de visionner ça. Et on parlait de cette voix autochtone, mais parfois le rayonnement qu'obtiennent ces petits bijoux de court-métrage est assez surprenant. Vous en avez un, entre autres, qui s'est rendu au festival de Sundance. Oui, exact. De la réalisatrice Mi'kmaq Heather Kondo, il y a son film My Father's Tools qui a été présenté à Sundance, qui était une première pour nous. Ça a été fait en janvier 2017. Ce film-là a eu une visite exceptionnelle. Puis en ce moment, il est disponible sur Vimeo. Il fait partie de la sélection Staff Pick Premiere. Puis ça, c'est vraiment des films qui ont une visibilité à tout casser sur Vimeo. Puis le fait que ce film-là fasse partie de cette sélection, My Father's Tools, ça fait que maintenant, plus de 150 000 personnes ont visionné le film en ligne. Lors de cette soirée, il y a trois films qui sont faits par des Cris de la Côte-Nord qui ont été projetés. Est-ce que tu peux un peu peut-être nous parler de ces courts-métrages? Oui, donc il y a trois courts-métrages Innu qui ont été réalisés et qui sont présentés ce soir. Il va y avoir le court-métrage ici de Ouachat, il y a Retour d'exil, Nicolas Fontaine qui l'a réalisé, qui va être projeté. Sinon, de Ekwenitchit, il y a le film de M. Jean-Charles Pietako, qui est aussi chef de la communauté. Il a réalisé le film Celle que je respecte, qui est présenté. En fait, le titre, c'est un titre Innu, mais j'ai trop peur de mal prononcer, mais ce que ça signifie, c'est celle que je respecte. Puis il y a aussi le film Les Nomades, qui est de Kateri Jade Lalo, la communauté de Pakwashipi. Donc, trois films Innu qui vont être présentés. C'est important parce que ça trace un portrait très actuel de la Côte-Nord, mais je veux dire, en réalité, la réalité autochtone, je ne sais pas si on peut dire que la réalité autochtone est un peu l'essence la même un peu partout au Québec? Est-ce que c'est un peu ce qui ressort des courts-métrages de vos différentes interventions? Les réalités sont un peu les mêmes partout, les besoins, les préoccupations? C'est sûr qu'au niveau de la jeunesse autochtone, puis non seulement autochtone, mais aussi non autochtone, il y a des enjeux qui ressortent, qui sont communs. Tout le monde ressent un besoin de s'exprimer, un besoin de liberté, un besoin de s'affirmer. Il y a beaucoup de différences, par contre, entre les différentes nations autochtones. Il y en a 11 au Québec, puis il va y avoir des différences dans la manière de s'exprimer, mais aussi dans la langue, dans les traditions culturelles qui sont présentées. Donc, il y a une grande richesse dans la diversité des films qui sont disponibles. Le Café Théâtre Graffiti est à nouveau associé cette année à Ciné 7. Bonjour Yves Desrosiers. Bonjour Éric. Qu'est-ce que ça représente comme logistique pour le graffiti de se joindre à Ciné 7 en présenter 12 films, entre autres, cette année? Oui, bien, la logistique, c'est vraiment d'avoir la chance de collaborer avec une équipe qui est là depuis des années au Festival du film de Sept-Îles, qui nous ont accueillis il y a une douzaine d'années déjà. Donc, nous, on collabore avec eux pour réserver le graffiti pour 10 jours de Festival du film, là, pour présenter une douzaine de films à Port-Cartier. Parce que votre cinégraphe, est-ce qu'il est actif dans l'année? Je sais que ces derniers temps, ça n'a pas nécessairement été le cas, mais est-ce que pour vous, l'idée, c'est un peu comme du cinéma répertoire? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de cinéma du côté de Port-Cartier, donc ça donne aux gens
plus facilement accès à ces films? Bien, c'est certain que la partie festival, c'est le gros morceau en frais de projection de cinéma. Mais durant l'année, on en fait quelques-uns à l'occasion quand on est capable, parce que c'est le problème, c'est plus le temps qui nous manque. On a beaucoup, beaucoup de locations de salles, de spectacles, de réservations différentes. Donc, on manque d'espace pour en faire, mais aussitôt qu'on a la chance, on en fait régulièrement. Et vous avez un équipement de qualité, là, tout comme la salle Jean-Marc Dillon. Vous vous êtes équipé, puis là, on a vraiment une meilleure, je crois que c'était le cas aussi l'année dernière, une meilleure qualité de projection, meilleure qualité de son. Oui, bien, on est en 2K depuis quelques années. Donc, la qualité de l'image est exceptionnelle. Puis le son, bien, c'est certain qu'avec un équipement de son de salle de spectacle qui est jumelé à un cinéma surround, bien, les deux ensemble, ça fait toute une différence au niveau de la qualité du son, oui. Puis quand tu fais les choix des films, Yves, qu'est-ce qui te guide dans ces choix-là? Est-ce que tu as conscience aussi, comme le festival, est-ce que c'est important pour toi de t'assurer qu'il y a une diversité dans les 12 films choisis? Oui, on essaie de varier. Comme quand on fait nos choix de spectacle, on fait la même chose au niveau des films, pour en avoir de tous les goûts, pour tous les genres, avec un petit accent plus au niveau de la comédie, quelque chose qui fait du bien à regarder, puis avoir du québécois, de l'étranger, des films un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc, on équilibre tout ça le plus qu'on peut. C'est sûr que des fois, il y a des choix qui sont déchirants à faire parce qu'on ne peut pas tous les prendre, là, mais on a une belle programmation encore cette année, puis ça a été bien intéressant. Et le fait d'avoir des films exclusifs aussi vous donne un bel avantage. Donc, des films que les gens de cette île pourraient aussi se déplacer, tout comme moi, et aller les voir du côté du graffiti. Oui, c'est certain qu'on a 6 films qui sont présentés à Port-Cartier, qui sont différents de ceux qui sont présentés à cette île. On invite les gens toujours à chaque année à venir nous visiter, venir voir l'expérience du Cinégraphe, qui est une salle qui est hors standard, qui est en table et chaises, en formule cabaret. On a le pop-corn, on a les consommations aux tables, on a tout ça comme dans un cinéma. Bien, c'est une belle expérience, cinéma. Puis c'est vrai que ça fait, j'imagine, pour les gens de Port-Cartier aussi, d'être à proximité du lieu, d'avoir accès à une belle programmation comme celle-là. Je présume qu'on vous le dit, que les gens le réclament année après année. Oui, bien, c'est sûr que l'habitude a été bien ancrée depuis une douzaine d'années. Donc, les gens l'apprécient beaucoup, en profitent. Puis ça fait un temps qui est vraiment différent pour nous. C'est vraiment agréable, en plein hiver, là, d'accueillir toute cette clientèle-là pour venir voir des films sur écran de cinéma. C'est vraiment génial. Parle-nous peut-être, Yves, du comité qui fait justement la sélection des films pour le Cinégraphe. Pour le volet Cinégraphe, on a un comité d'environ 8 personnes qui se penchent sur la liste des films disponibles. Puis chacun fait ses choix, puis on met ça ensemble, puis ceux qui en ont le plus, c'est sûr qu'on va aller les chercher en priorité. À l'occasion, on va déroger un peu pour équilibrer, comme je disais, là, la programmation, mais on se fie beaucoup, beaucoup au choix de nos gens qui font la sélection chez nous là, pour le festival. Donc, on souhaite bon cinéma. Bien, merci beaucoup. C'est Pieds nus dans l'eau. Parce que c'est un film, il est complet, ce petit film-là. Il est touchant, il est émouvant, il y a un côté historique. Il y a des belles leçons de vie, il y a des belles images. Michel Laveau, là, quand il s'occupe de la photo, là, c'est extraordinaire. C'est un très beau film. Moi, c'est mon coup de cœur. Moi, j'ai aimé beaucoup « C'est le cœur qui meurt en dernier » parce que, ben, à cause des acteurs, des actrices, Denise Filiatro, Sophie Lorrain, qui sont, je pense, sont extraordinaires dans ça. Et puis, à cause aussi du sujet qui est de mon âge, mais qui est un sujet qui est bien traité. La maladie d'Alzheimer, c'est pas facile à traiter, mais dans le contexte, c'est... je dirais pas le punch pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais dans le contexte, je trouve que c'est admirablement bien traité. C'est toujours une joie aussi de constater l'accueil des gens aussi. L'accueil des gens est toujours impressionnant, en fait. Je suis préoccupé aussi par la nécessité de la vie culturelle sur l'ensemble de notre territoire. Mais jamais de premier rôle au cinéma. J'ai toujours des rôles secondaires, des rôles de soutien. Christian Bégin, premier rôle au cinéma dans le problème d'infiltration de Robert Morin. Il était temps, non? Bien, tu sais, moi, j'ai jamais travaillé avec un plan de carrière. J'ai pas ça dans la vie, moi. Ça fait 32 ans que je fais ce métier-là, puis je prends ce que la vie m'amène. Cela dit, tu sais, j'avais déjà fait du cinéma, mais jamais dans un rôle avec cette consistance-là ou cette importance-là. Ce qui me faisait particulièrement plaisir que ça arrive là, à mon âge, c'est que
Au-delà du fait que c'est le premier rôle du film, c'est surtout de pouvoir vivre l'expérience du tournage du jour 1 au jour 17, parce qu'on a tourné ça en 17 jours. Donc, j'ai vécu l'expérience d'un tournage dans son entièreté. Et ça, moi, j'ai eu presque autant de plaisir à faire ça à cause de ça, parce que j'avais jamais vécu l'expérience d'un tournage au complet. Puis de le vivre du jour 1 au jour 17, puis d'être de toutes les scènes pratiquement, ça a été une expérience extraordinaire. Cela dit, peut-être que ça m'arrivera peut-être plus jamais. Je suis certain que ça va arriver encore, étant donné la performance de ce film-là. Quand on faisait des présentations publiques, il disait « Je vous souhaite un très mauvais moment ». Mais parce que c'est un film particulier, c'est un film assez dur qui vous invite à plonger dans les abysses d'un personnage assez ténébreux. C'est quoi la difficulté dans des plans-séquences comme ça? C'est-tu un travail de chorégraphe, de chorégraphie quelque part? Est-ce que les pas sont calculés? Absolument. Oui, c'est ça. C'est chaque scène, un plan-séquence, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est une espèce de plan sans coupure. Donc, on joue la scène du début à la fin de la scène sans que ça soit coupé. Alors, tout était planifié. Puis comme la caméra dans le film me suit de très, très près, c'est des très gros plans, bien, ça, c'était un degré de difficulté additionnel. Mais en même temps, ce qui est bien dans le plan séquence, c'est que, mettons, je commence la scène puis qu'on m'offre aux trois quarts de la scène, on la recommence du début. Fait que ça me permet de vraiment rentrer dans la scène. T'sais? Fait qu'il y a des scènes qu'on a fait, mettons, 4, 5, 6 fois avant d'arriver à la bonne, mais c'est proche du théâtre à ce compte-là parce qu'on joue la scène au complet. Fait que ça te permet de vraiment entrer dans la scène. Parce que quand on joue au cinéma puis qu'on coupe, souvent, c'est comme un stop and go. Tandis que là, il n'y a pas de stop and go. C'est tu rentres dedans puis tu te rends jusqu'au bout. Donc, c'est presque impossible de réussir des plans-séquences en une prise parce qu'il faut... Parce qu'au début, j'imagine que c'est difficile de rester dans son personnage. Puis pas juste ça, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes techniques aussi, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, dans une scène où je descends les escaliers dans le film, bien là, OK, descends à troisième marche, attends parce qu'il faut que Jean-Sébastien passe derrière toi. Fait que, tu sais, il y a tout ça, puis là, puis... Et comme Robert jouait beaucoup avec l'expressionnisme allemand, il y avait beaucoup de clins d'œil au cinéma expressionniste allemand, il y avait même des fois dans des scènes des éclairages qui se transformaient pendant qu'on jouait. Je ne sais pas si tu te souviens, dans la première scène à l'hôpital avec le brûlé, à un moment donné, la scène, elle devient bleu. On va passer derrière un fond vitré. Oui, exactement. Fait que tout ça, ça se passait live aussi. Fait que contrôler toutes les contraintes techniques aussi, ça rendait l'exercice périlleux, mais vraiment trippant. Tout le film, en fait, se passe beaucoup dans le non-dit, dans l'éclairage. Ça joue beaucoup. C'est un personnage en soi, ça. Oui, vraiment. La maison est un personnage en soi, en fait. Puis Robert voulait vraiment que la maison devienne un personnage oppressant. Parce que Robert disait, moi, je veux que les gens manquent d'air dans ce film-là. Je pense qu'à cet égard-là, c'est assez réussi. Je pense que c'est un film oppressant. C'est pas un film de dialogue, effectivement. Tu sais, je parle pas tant là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Tout se passe dans le corps, dans le non-verbal, puis dans l'atmosphère, puis dans l'ambiance sonore aussi. Tous les sons dans le film, c'est très important. Fait que, ouais. Et le personnage, oui, complètement aux antipodes du Christian Bégin qu'on connaît. En fait, au début, dans la première scène, c'est un personnage, Louis, qui est empathique, à l'écoute de son patient et tout ça. Oui. Mais on le voit dans sa vie privée. Waouh, c'est une transformation totale. Oui, c'est ce que Robert disait. Des fois, les monstres ne sont pas là où on croit qu'ils sont. Puis je pense que c'est ce que Robert a aimé. Parce qu'au départ, Robert n'avait pas pensé à moi du tout pour ce rôle-là. Hein. S'il avait pensé à quelqu'un d'autre, jamais mon nom ne lui serait venu à l'esprit. C'est un de ses confrères de travail, le premier assistant, son premier assistant, qui a dit « Pourquoi tu ne te demandes pas à Christian Bégin? » Parce qu'il avait déjà demandé à un autre comédien, François Papineau, pour ne pas le nommer, parce qu'il travaille beaucoup avec François Papineau, Robert, puis François ne pouvait pas. Alors là, il se retrouvait à devoir trouver quelqu'un d'autre. Puis quand on a nommé mon nom, il a fait « Mais j'aime ça parce que mon personnage public, médiatique, est un personnage qui attire un certain capital de sympathie. » Puis il aimait l'idée que le personnage, au début, on y croit. On pense que c'est un bon Jack, puis qu'on se rend compte à la fin que c'est un monstre. Donc, le Christian Bégin qu'on aurait envie de serrer dans ses bras, de faire un colleux, celui-là, non, il faut s'en tenir loin. C'est ça qui est le fun aussi, après
32 ans de métier, c'est d'arriver à faire des affaires qu'on n'a jamais faites, à faire des propositions qu'on ne nous a jamais proposées. Fait que pour ça, je suis content. Bien, on invite les gens à regarder le film « Le problème d'infiltration ». Il est disponible en club DVD, vidéo, en DVD, en location. Il y a même un site web, je ne me souviens plus lequel, mais qui le classait parmi les 10 films à voir de 2017 à voir. Alors, on le conseille, si vous voulez vous sortir de votre zone de confort, « Le problème d'infiltration ». Merci beaucoup, Christian Bégin, et merci de votre présence à Cinoche. Merci beaucoup. Ce que j'ai appris dans mon métier, c'est de trouver le chemin pour aller ouvrir la porte et dire au monstre, ben c'est toi qui vas travailler aujourd'hui. Puis quand la journée est finie, je le prends par la main, je le reconduis dans son garde-robe, je referme la porte à clé, puis je dis à demain, tu sais. Cette édition de Ciné 7 a pris fin avec la projection du film documentaire Inou Nikamou, Chanter la résistance. J'ai deux acteurs importants du film. Tout d'abord, le réalisateur. Bonjour, Kevin. Bonjour, Rick. Ça fait longtemps, Kevin, que tu voulais pouvoir le présenter aux gens parce que, disons-le, le festival Inou Nikamou se déroule chaque année à Maliotenam et c'est vraiment l'histoire d'une communauté à travers ce film documentaire. Oui, absolument. J'avais très hâte de le montrer aux gens ici dans la communauté qui sont concernés par ce film-là. Bon, la première, on l'a faite à Montréal, puis je crois que ça a été une bonne chose quand même que je puisse présenter ce film-là devant des gens qui ne connaissent pas nécessairement la communauté ni Inou Nikamou. Mm-hmm. Et puis, ça a été un succès. Donc, j'ai très hâte que les gens ici le voient. Oui. J'ai très hâte d'avoir leur réaction. Je suis également très fébrile parce que j'ai cette petite crainte-là de ne pas faire comme du monde. Je souhaite vraiment que ce film-là soit accepté et que les gens se l'approprient. Mais c'est sûr que tu y as mis tout ton cœur, toute ton énergie. Et en même temps, au départ, ton idée première était d'un peu parler de toute l'organisation, parce qu'un événement comme le Festival Inou Nikamou, c'est une impressionnante logistique. C'était un peu ça que tu voulais mettre de l'avant au départ. Oui, bien, regarde, j'ai intégré l'équipe du Festival Inou Nikamou il y a quelques années, et puis j'étais très impressionné par le travail fait par mes collègues. Puis c'était quelque chose que je désirais montrer aux gens, qui est un effort qui est quand même méconnu. Mais à force de travailler sur le festival, sur la communauté, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets qui étaient importants de traiter, qui ne sont pas nécessairement en lien direct avec le festival, mais qui sont présents dans la communauté, qui font partie de notre réalité de tous les jours. Et avec ce film-là, je voulais monter un casse-tête, un schéma narratif qui fasse en sorte que, oui, on traite de sujets sensibles, mais qu'on ressorte de ce film-là avec une pensée très positive. Mais le festival Inou Nikamou devient en quelque sorte un outil de guérison. Je le vois dans votre bande-annonce. C'est un peu ce que ça fait. C'est en plus ce qui est quand même stratégique, c'est que c'est sur le site d'un ancien pensionnat qui a été démoli. Ah, mais oui, absolument. Puis, regarde, les gens qui viennent à Inou Nikamou ne pensent pas au pensionnat. C'est pas quand les gens viennent au festival, c'est pour avoir du plaisir. Puis c'est un sentiment de plaisir et de rassemblement qu'on souhaitait instaurer puis perpétuer. Et Réginal, tu es l'un des fondateurs du festival. Quand tu l'as fondé avec tes collègues, c'était quoi l'idée de base? Écoute, ça date quand même de 34 ans. Là. On va faire notre 34e édition là, cet été. Là. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont gravité autour de ça. Moi, je suis venu sur le tard. Il y a des fondateurs qui sont venus avant moi. Oui, mais c'est correct, c'est bien. Bien, par contre, oui, j'ai aidé ici et là de façon bénévole. Et là, je suis directeur du festival depuis les 5 dernières années. Mais en tout cas, peu importe. Ceci étant dit, écoute, les gens qui ont travaillé pour le festival à l'époque, Kevin l'a mentionné tout à l'heure, toute petite équipe. Souvent, ça tournait autour de 2 ou 3 personnes. Mm-hmm. Et se greffait à ça des bénévoles et tout ça. Alors, c'est extraordinaire ce que les gens ont fait. Nous, le film, on espère que dans la communauté, ça puisse éveiller des choses. Puis moi aussi, j'ai été surpris par le travail de Kevin. J'ai été agréablement surpris. Je pense que l'angle, je ne me trompe pas en disant ça, Kevin va me corriger, l'angle qu'il avait au départ, là, ça l'a changé. Oui.
Pour le bien puis pour le mieux. Mm-hmm. Moi, je souhaite que les gens puissent aller saisir le message que Kevin veut démontrer là-dedans. Puis moi, Kevin, il m'a atteint. Il m'a atteint à quelque part. Il a rejoint mon cœur. Il a rejoint ce que je suis, qui je suis. 34 années de festivités de musicales, bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses aussi. Les gens vont le voir dans le film ou ils l'ont déjà vu, mais ils vont voir dans le film et ils vont découvrir des choses extraordinaires. On parle d'identité, on parle de fierté, on parle de sentiment d'appartenance à une culture. C'est extraordinaire. Puis Kevin va aider. Va aider la communauté ou les communautés autochtones à se prendre en main puis à s'affirmer en tant qu'Autochtones. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais c'est une trace en or, ce festival, parce que veux pas qu'on y aille année après année au festival. Une fois que c'est terminé, que le lieu est vidé, oui, on a l'emplacement, le grand champ qui est libre, mais là, on a une trace sur film, quelque chose qui est peut-être un peu plus tangible et intemporel. C'est ça, ça va rester, là. C'est pour la vie, là. Regarde ce que Kevin a fait, là. Il laisse une trace qui va être là jusqu'à la fin des temps. C'est extraordinaire. Les gens, nos enfants, nos petits-enfants vont pouvoir visionner ce que Kevin a fait. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Comme l'aigle, là. Ah oui. Ouais. Je sais qu'un des défis, Kevin, a été parce que des témoignages, tu en as reçu des centaines, je crois, si je me trompe en disant ça, que tu en as quand même reçu pas mal de témoignages de gens pour le documentaire. Ah, oh, regarde, des centaines, bien, je te dirais que je me suis concentré sur certaines personnes, parce que plus stratégique, parce que bon, ça demande à ce qu'on soit concis et que ça fasse un film qui tienne la route. Ouais. Mais ces gens-là m'ont donné tellement de temps, ont été généreux dans leurs entrevues, ont parlé des heures et des heures de leur expérience, de leurs sentiments personnels, de ce qu'ils vivaient, la construction de Inonoramu, mais également aussi les gens qui ont fondé le festival ont été du pensionnat. Donc c'est une histoire qui est quand même liée en quelque sorte. Ces témoignages-là, j'ai dû en faire un casse-tête, tu sais, un casse-tête assez compliqué qui a pris beaucoup de temps, énormément de temps dans un petit studio de montage à essayer de... OK, faut faire quelque chose qui tient la route, là. Longue vie au Festival Inunikamu. Merci, merci. Marque des autres, c'est surtout parce que c'est un film canadien. C'est fait, la madame, c'est une peintre canadienne qu'on connaissait pas du tout. Alors, ça nous l'a fait connaître. Et ça se passe, le film est tourné à Terre-Neuve avec des très belles scènes extérieures. Puis, c'est une dame qui avait la sclérose en plaques et qui, malgré tout ça, réussit à devenir peintre connue au travers le monde, pratiquement. Et puis, c'est très bien. C'est un beau film. Pouvez-vous vous tourner vers la caméra, Monsieur Lewis? Un petit sourire. Tu pourrais trouver bien mieux que moi. C'est tout ce qu'il me faut avec toi. Accompagné de Simon Lavoie et Antoine Lécuyer pour parler du film La petite fille qui aimait trop les allumettes, présenté dans le cadre du 30e anniversaire de Cinoche. Alors, bienvenue, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Salut. On va commencer avec Simon, réalisateur de ce film qui est adapté librement d'un roman de Gaétan Soucy. On le juge, j'ai lu qu'on jugeait ce roman-là comme inadaptable. Est-ce que c'est juste assez pour te donner le goût d'aller de l'avant et est-ce que impossible est un mot qui n'existe pas dans ton vocabulaire? Bien, c'est-à-dire que la difficulté d'adapter ce roman-là vient de son aspect très littéraire, de ses jeux sur la langue que l'auteur Gaétan Soucy y tient. Et donc, ça fait pas partie de ce genre de littérature qui est presque déjà un scénario écrit, comme souvent on voit les Américains en adaptent au cinéma. Donc, il y avait quand même un défi de transposition. Mais c'est paradoxalement ça qui faisait l'intérêt, je crois, d'adapter un tel roman, c'est que ça n'allait pas de soi.
Et donc, pour que ça puisse bien passer à l'écran, pour que ça puisse être une œuvre cinématographique qui a de la valeur, il fallait comme transformer d'une certaine façon le matériau narratif pour l'ancrer vraiment dans le monde du cinéma. Donc, il y avait là une opportunité, je dirais. Et c'est un film sur lequel vous avez travaillé quand même l'adaptation depuis 2013, un travail de longue haleine. Oui, de longue haleine. Moi, j'avais lu ce roman-là à sa sortie en 1998. Donc déjà, à l'époque, j'avais été marqué, en fait, par cet univers-là. Et puis, je m'étais dit, dès ce moment-là, que ça pouvait faire un grand film. Mais j'étais tout jeune, évidemment, à ce moment-là. Et donc, en 2013, quand le producteur Marcel Giroux m'a contacté, me demandant « La petite fille qui met trop les allumettes, est-ce que tu connais ça? » Je lui ai dit « Oui. » Il m'a proposé de travailler là-dessus. Alors, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai eu l'occasion même de pouvoir collaborer avec Gaétan Soucy de son vivant. Mais ça a été effectivement 3 ans d'écriture pour tenter de trouver la bonne manière. Puis je me souviens qu'Antoine était impliqué dans le projet depuis le tout début. On l'avait auditionné il y a longtemps de ça. Alors, Antoine a pu voir l'évolution 2013, du scénario. Oui, 2013. Et le film est en noir et blanc. Est-ce que ça s'est imposé, le noir et blanc, dans le traitement de ce film-là? C'est-à-dire que c'est venu assez tard dans le processus. Au début, on devait faire ce film-là en couleur. Et puis, quand on s'est mis à faire des tests en pré-production dans notre décor principal avec nos acteurs, en filmant leurs costumes et tout ça, on s'est aperçu que le noir et blanc pouvait ajouter une sorte de magie, quelque chose d'un aspect presque onirique à cet univers-là. Puis ça nous permettait de décoller de la réalité. Alors, c'est pourquoi on a utilisé le noir et blanc. Donc, il a fallu, à partir du moment où on a fait ce choix-là, convaincre tout le monde, parce que parfois, les gens sont rebutés par le noir et blanc. Puis, vous savez que quand on fait un film, il y a plusieurs personnes qui sont autour de la table et tout ça. Mais donc, quand on a pris cette décision-là, il a fallu convaincre tous les gens. Puis, je pense que les gens ont été convaincus, puis on ne regrette pas le choix d'avoir tourné ce film-là en noir et blanc. Antoine, Simon le disait, impliqué dans le projet depuis presque tout le début. Donc, pour toi aussi, la préparation a été de longue haleine pour ça. Donc, c'est un univers assez spécial. On se prépare comment pour un rôle? Parce que toi, tu joues le frère, qui est plus discret au début du film, mais lorsqu'arrive l'élément déclencheur, là, on le découvre, puis il prend sa place énormément. Donc, comment est-ce qu'on s'est préparé pour ce rôle-là? Bien, j'étais pas sûr, en fait, si je devais lire le livre, mais je me l'étais fait déconseiller. Puis finalement, j'écoute pas beaucoup de conseils, fait que je l'ai lu quand même. Puis c'était particulier. En fait, ça m'a vraiment aidé, vu que bon, c'est un personnage qui, au tout début du film, même par après, il est pas trop défini, en fait. C'était vraiment à moi de trouver avec Simon les subtilités, son état d'esprit, pourquoi est-ce qu'il vire comme il vire. Puis c'est surtout, en fait, c'est un personnage qui est important, mais qui est surtout là pour aider dans la quête de Marine. Ben pas pour aider, mais c'est ça, vraiment. Ça donne tout le sens, en fait, de la quête de Marine. On a l'impression que ton personnage, au début du film, est très effacé, prend pas beaucoup de place, est très soumis au contrôle du père. Mais lorsque le père disparaît, là, il se découvre un petit peu. Mais il se complaît quand même dans le statu quo, veut pas trop bousculer les choses. Non, mais je sais pas s'il se découvre. En fait, ça le perd totalement. Leur père, c'était leur pilier. C'est lui qui donnait les ordres. Sans ces ordres-là, ces jeunes enfants-là étaient plus rien. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus quoi manger. Donc, ça va le perdre, puis ça va lui faire peur. Puis c'est aussi cette perte-là qui va le faire basculer un petit peu. Alors, j'invite les gens à aller voir le film, à se le procurer. On a une date de sortie pour le DVD? Je crois que c'est le 3 février. Ça va être disponible en vidéo sur demande sur iTunes, Illico, Bell, Téléfib, toutes les plateformes de vidéos sur demande. Alors, on invite les gens à jeter un coup d'œil à ce film-là, La petite fille qui aimait trop les allumettes. Simon et Antoine, merci beaucoup de votre passage à Cinoche et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.
les deux des habitués du Festival Ciné 7, entre autres, qui vous invitent année après année à venir offrir des ateliers dans les écoles. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi ça consiste, Nicolas? Oui, alors dans le fond, René et moi, on arrive, on fait les écoles primaires, secondaires. Il y a une portion théorique, puis il y a une portion pratique. Alors, on met les jeunes en contexte. On arrive avec l'équipement, on leur explique un peu comment ça fonctionne sur le plateau de tournage. Puis ensuite, on fait une heure et demie à peu près de pratique. Alors, il y en a qui sont techniciens, il y en a qui sont comédiens. Puis ensuite, on renverse les rôles parce qu'on fait deux petits scénarios avec eux. Puis à la fin de l'atelier, bien, on regarde ce qu'on a tourné, puis c'est toujours très drôle. Ce que vous voulez faire, dans le fond, c'est leur faire connaître tous les différents métiers reliés au cinéma. Bien, pas mal, oui. Ça commence comme ça. On parle des différents métiers. On parle des grandes étapes de fabrication d'un film aussi, pour qu'ils comprennent comment ça se passe, puis pourquoi on a des si longs génériques que ça à la fin des films aussi. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Ça, c'est vraiment pour le primaire. Le secondaire, on alterne, on fait des ateliers un petit peu différents. Aujourd'hui, on a fait un atelier « Je m'anime » où les jeunes devaient s'animer devant la caméra en image par image. C'est ce qu'on appelle la pixilation, là. Mais quand on fait le secondaire, à chaque année, on change, on donne une nouvelle activité. L'année prochaine, il y a des bonnes chances qu'on travaille avec l'écran vert et qu'on leur montre des effets spéciaux qu'on peut faire avec l'écran vert. On ne vendra pas de punch tout de suite, on va garder la surprise pour l'année prochaine. Mais c'est ça, on change pour qu'ils puissent faire, parce qu'on fait secondaire 1, 2, 3, pour que les trois années, ils ne recommencent pas la même chose, quoi. On prend des photos du début de l'animation. Et la réponse des jeunes, elle est comment dans ces différents ateliers? Est-ce qu'ils sont enclins à participer? Oui, c'est toujours très positif, surtout avec des groupes généralement plus dissipés. On a toujours des belles surprises ou des profs qui disaient « un tel jeune était très gêné d'habitude, je le vois jamais s'exprimer en classe, quoi que ce soit », puis il arrive dans l'atelier, puis on découvre plein de nouveaux talents. Puis faites attention, les filles, de ne pas comme sortir à l'extérieur du rideau. Parce que c'est intéressant, parce qu'on s'intéresse au cinéma, mais on n'a pas toujours tendance à savoir tous les métiers. Justement, tout ce que ça prend à l'arrière, on pense souvent aux comédiens, parce que c'est ce qu'on voit d'un film à l'équipe de tournage, mais on oublie parfois toutes les étapes aussi, le montage. Et c'est un peu ce que vous essayez de leur montrer, c'est que le cinéma, il y a tellement d'opportunités. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on est là, pour leur montrer aussi que les images ont un sens. Que quand ils voient des images, que ce soit une publicité, que ce soit un long métrage qu'ils vont aller voir au cinéma, que ce soit pour la télévision, qu'il y a quelqu'un derrière qui a pensé à cette image-là. Et c'est, je pense, ça leur donne un regard différent sur ce qu'ils vont voir là, au quotidien, quoi. Est-ce qu'on peut réussir à les intéresser, puis là, je vais dire un préjugé parce que c'est pas nécessairement vrai, à les intéresser à autre chose que des blockbusters américains? C'est l'Association des cinémas parallèles du Québec qui nous a développé le programme L'œil cinéma pour lequel on travaille. Et ce programme-là, oui, il y a cette volonté-là aussi de montrer, de faire montrer un autre cinéma aux jeunes. On développe aussi du matériel pédagogique qui peut circuler dans les écoles pour faire l'étude de films, par exemple. Les films qui vont se retrouver là, pour lesquels on a développé du matériel, c'est des films qui sont plus des films de répertoire que des films, des blockbusters, justement. On laisse ça au grand cinéma, ils s'en occupent très bien. Est-ce qu'à plusieurs endroits où vous allez, c'est toujours relié avec la tenue d'un festival de films? Non, pas vraiment, parce que on est connu aussi par beaucoup d'enseignants. Notre clientèle principale, c'est les écoles secondaires, en fait. À travers le Québec, on va partout, on se déplace. Les écoles, on est reconnu par Culture à l'école, qui est un programme du gouvernement qui aide à financer ce genre d'activité-là en classe. Et les professeurs qui sont intéressés peuvent simplement venir nous voir ou nous contacter, nous donner les dates qu'ils voudraient nous voir visiter leur école et faire nos ateliers avec leurs jeunes. Et on est prêt à aller partout au Québec. Fier de faire rayonner notre communauté.